Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts aux monstres du cube avec une arme détour. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans un détour. Alors les détours, c'est tout simplement la grosse boule que vous voyez sur la map. Donc par exemple, moi, elle a spawn à Cornycrops. Elle peut spawn n'importe où sur la map, dans n'importe quelle ville. Donc voilà. Alors il y a d'autres détours aussi que vous allez pouvoir faire apparaître par vous-même. Ce sont les petites détours que vous voyez ici représentées par des failles. Donc là, elle vient de disparaître, mais dès qu'elle disparaît, elle réapparaît autre part. Donc hop, regardez, elle vient de réapparaître ici. On a une ici. Il y en a une juste en haut ici et il y en a une juste ici. Donc elles apparaissent aussi aléatoirement dans la map. Et en fait, quand vous vous approchez de ces petites failles, ça crée un petit détour, une petite boule comme vous voyez à l'écran, sauf qu'elle est beaucoup plus petite que celle-ci. Mais bon, moi je vous conseille quand même de vous rendre dans la grosse boule, donc dans le gros détour qui est affiché sur la map, hein, avec le nom de la ville en orange. Et ensuite, quand vous arrivez près de cet emplacement, vous allez près des cubes et là, vous ouvrez le coffre. Ce que vous allez devoir faire à ce moment-là, c'est trouver une arme des détours. Donc là, je n'ai pas trouvé d'arme des détours. Donc ce que je dois faire, c'est ouvrir un autre coffre. Donc là, il y a deux armes des détours. Donc ça, c'est une arme des détours. Je vais essayer de vous en trouver d'autres pour vous montrer. Regardez, là, il y en a une autre aussi. Donc là, j'ai trouvé deux armes des détours. Je pense qu'il n'y en a que deux de toute façon. Donc il y a le fusil des détours et il y a le minigun des détours. Donc regardez, je vais aller à l'extérieur pour pas que les zombies me gênent. Voilà, il y a celle-ci et celle-ci. Oups, on va les mettre un peu plus à gauche, voilà. Donc vous allez devoir trouver une arme des détours, donc soit le minigun des détours ou soit les fusils des détours. Bien entendu, ces armes, vous allez pouvoir les trouver dans les coffres des détours, donc qui se trouvent dans les détours. Là, je sors du détour et là, en fait, bah, y a des coffres normaux. Je pense qu'ils ne peuvent pas vous donner des armes des détours parce que c'est des coffres normaux. Mais dans les détours, il y a toujours des coffres des détours. Par exemple, regardez celui-ci. Ça, c'est un coffre des détours. Et ces coffres-là ont de grandes chances de vous donner une arme des détours. Alors, quand vous avez votre arme des détours, ce que vous allez devoir faire, c'est infliger des dégâts aux monstres du cube avec les armes des détours. Donc là, j'ai tout simplement besoin de tirer avec mon arme sur les monstres et je dois infliger pour 150 de dégâts pour terminer le défi. Donc voilà, c'est pas très compliqué, hein. Vous utilisez votre arme de détour et vous infligez 150 de dégâts pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikulomike et ciao. Peace. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulomike et ciao. Peace.